faire ce match-là. Voilà. Pour Pat Swain. Regardez les temps sur les conditions.
Chaque année, ici au meeting Herculis EBS, il se passe des choses absolument folles et magiques à l'occasion du 1500 mètres masculin. Ils sont en train de se congratuler parce qu'ils savent qu'ils ont participé à une course exceptionnelle et stratosphérique. Le saut à la perche, c'est Cathy, la jeune 4m80. Attention, c'est Elle reste toujours en lice dans ce concours. Remercier les partenaires du meeting Herculis, EBS, Live, Canal Plus, qui est le diffuseur du meeting. Féminin. À la carte. Au couloir numéro 6. La détentrice du record de Côte d'Ivoire, Marie-Josée Talou. Couloir numéro 4, spécialiste de la langue. Applaudissements
secondes sur le départ. Deuxième performance mondiale de l'année. Entre l'Ivoirienne et la Jamaïcaine. On attend sur le retour de Chamébina Wimon. C'est Marie-José Salou. Son hauteur 2,29 m. 5 athlètes sont encore qualifiés. À qui même pour le mettre. C'est Fatini à la perche. Allez avec elle. Champion de la piste. Get him.
Thomas, 0-36. Ahmed Abdelhamid, le cinquième mondial, représente l'Italie, 0-4 cette saison, et Marc Pierce, Merci Николай. Ну хорошо. Еще одну сделаю. Может быть. Андрюха переносит. Смотри. Et alors, comme tout à l'heure, vous avez des lumières sur le bord de la piste. Ils ont été réglés pour tenter là aussi. Comme chacun tout à l'heure, de battre la meilleure performance mondiale de l'année, qui est de 0,54 par Soudian et le Magali. Donc, on a bien que les athlètes arrivent au 42,07. Et c'est. Ils sont capables de le faire. Et vous pouvez bien sûr les encourager, comme vous le faites si bien depuis le début du meeting lorsqu'ils passent devant vous, ces concurrents du 3000 mètres style masculin. Et c'est Aboskirou qui a été chargé de donner l'allure. Il est parti plus vite que l'allure demandée. Deuxième position pour Alexis Félix de Chemin France. Kiwi Watt de Piquet. Voilà la position dans cet ordre. Takele en troisième position, juste sur les talons du champ en France. Et lorsqu'il passe devant vous, applaudissements bien sûr. Le Lillois principal, à vous de jouer toujours avec le meneur de la nuit, Ramos Kiroui. Le peloton toujours à sa poursuite. Bien vu, qui respecte la volée. Lumière qui suit partout. Kiroui se sent pousser les autres, qui est très en avance. Sur le centre d'année, on a le passage au 1000 mètres, un peu plus d'une centaine de mètres maintenant. De 0,7 à 800. Le passage de la rivière toujours spectaculaire, bien sûr. Et ça continue pour Kiroui devant. Alors que Caterina Stefanini a échoué par 3 fois à 4,90 m au sol à perche. Kiroui toujours en tête. Germain qui mène le peloton. Également Bord dans sa foulée. Il arrive à voir l'américain. Ah, Germain qui est passé en 2,43-2, on est sur les bases de la meilleure performance mondiale de l'année.
Thank you.
éliminé. Il restera une tentative pour Katie Nager. 4,96. Thank you.
Balkan pour de cette musique. Patrick Sieradzki qui a mis le clignotant à gauche. Maintenant, ses concurrents vont pouvoir s'expliquer. 250 mètres de course, maintenant. Toujours à Rome, courir à Bosch. Le deuxième virage, le public du Stade Louis II. À vous de les encourager. Et attention à la ligne droite principale, la tribune principale. Trois concurrents pour une seule place de vainqueur. Sur les bases de la meilleure performance mondiale de l'année, encore une fois, Monaco, regardez ça va vite. C'est Amos, Nigel Amos, meilleure performance mondiale de l'année pour le Botswanais. Nigel Amos, il a remporté le Medalist pour la quatrième fois. Bravo, monsieur. Ça, c'est une référence. Le temps officiel, 1:42.91. De loin, son meilleur temps de la saison. Et meilleure performance mondiale de l'année pour le Botswanais Nigel Amos. Meilleur temps de la saison également pour courir en 1:43.04. Deuxième meilleure performance mondiale de l'année, 1:43.26. Troisième meilleure performance mondiale de l'année pour Marco Arop. Passe encore. Il y a la saison également pour Rodic, du Sochi Oyot Rodic, 43-54. Pendant ce temps-là, vous l'avez peut-être suivi. Katina Chata a échoué pour la troisième fois consécutive à 4,96 m sur la perche féminin. Mais elle remporte tout de même cette édition 2021 du meeting Herculis EBS en ce qui concerne sur la perche. Vous pouvez l'applaudir. Katina Chata, USA, qui remporte cette épreuve. Alors vous voyez les résultats officiels sur les conditions du 800 mètres masculin. Pendant ce temps, Valentin, il y a Tokas, 32. Le Suédois va toujours fort avec le 8m27. Le deuxième essai. Reçoit Sabat qui avait 7,95 en deuxième. Et Marquis Zenit américain, 7,76, il a assuré, il avait vendu le premier essai. On va rester du côté de son longueur, regardez. Celui qui se présente devant une ligne droite opposée, c'est son deuxième essai, qui est jamaïcain. Patrick Gay, c'est le champion du monde en titre. Vous allez pouvoir les yeux de Savane, très très vite dans la course d'élan, ou peut-être très très loin. Regardez, à vous de jouer, Patrick Gay. Parce qu'il a déjà vendu le premier. Alors là, un peu blanc. Oui, parce qu'on rappelle la règle. Comme les émissions féminin et hollandais, nous avons le féminin. Tout celui-ci dans les trois. Kevin Mayer, 7,33 en premier, Mordule deuxième.
On va attendre la marque pour le français Kevin Mayer sur longueur. Expliquons, Christian, puisque Mihail a quelque peu franchi 2m32. C'était le partage face au Canadien Django Lovett. Il a franchi donc 2m32. Mihail a quelque peu échec pour Django Lovett sur cette ultime. Et c'est donc Mihail Akimenko qui remporte le concours du saut hauteur. Vous pouvez l'applaudir. Mihail Akimenko, 2m32 aujourd'hui. Kevin Mayer, 7m35. Да я заебался прыгать, я бы дальше бы не смог, ребят. Я все, я сгнил. Vous avez une position du sous longueur après le deuxième essai. Le cours balayé par celui qui est en bouffiste. Tobias Rottler, Suède. Il bat sous son score. Ça va bien se mentir avec lui. Troisième essai. Joli saut par le Suédois. Au Dendy qui n'est pas chaud, rien. Pour eux, c'était Marcus Dendy des États-Unis. Ça y passe, ça y passe. Devant son troisième essai. Il y a des coupes en anglais, ce qui est un tatouage bon, pour te dire. 1500 frappes au départ. Il y a eu tellement d'émotions avec le demi-fond. Et on va continuer avec, vous les voyez à l'écran pour l'instant, Sifanasan. Pays-Bas, Freski Piegon a détenté ce record du Kenya. Sifanasan à l'écran. Nayondo, Magdalena, Chevy, Magdalena, Klein, Vierebo, Anthony, la chambre de France. Нормально, он на перезагрузке, все нормально. Да, они мне там дарут. Наверное. Не хочу нахуй это поворачиваться. Я сейчас тоже лоха просто расстояю, что-то кричать. Une allure qu'elle va tenter de respecter avec le peloton. J'aurais pu aller avec toi, j'aurais pu faire un peu de tout ça, j'aurais pu faire un peu de tout ça, j'aurais pu faire un peu de tout ça.
T'as fini là, non? T'as fini là? Ouais.